Une délégation canadienne s'est rendue à Courseulles-sur-Mer, en France, afin de souligner le 75e anniversaire du jour J et de la bataille de Normandie. Vétérans, membres des Forces armées canadiennes et autres membres de la délégation ont assisté à une cérémonie tenue au centre Juno Beach. Nous nous sommes entretenus avec des personnes présentes pour nous renseigner davantage sur la commémoration de cet effort historique. Tomorrow morning when we wake up after sleeping on the beaches, we are going to be getting ready for our parades later on in the afternoon. I think it's going to be an emotional morning for a lot of us, like just the opportunity we have to be on the same beaches that all the people that came before us were on. It's going to be unreal. Couldn't have asked for a better opportunity. I don't think I'll have the opportunity to do something like this again in my lifetime, and I'll probably remember this for the rest of my life. C'est le mois idéal pour une partie de baseball, alors pourquoi ne pas sortir et jouer? Vous l'avez deviné, c'est le mois des loisirs. Sortez dehors parce que c'est à vous de jouer. La campagne annuelle est dirigée par l'équipe des programmes de soutien du personnel, laquelle assure l'élaboration et la prestation de programmes et de services de pointe en matière de conditionnement physique, de sport et de bien-être professionnel dans les bases, les escadres et les garnisons du Canada. Les membres de la communauté des Forces armées canadiennes peuvent tirer parti d'une gamme de services récréatifs visant à encourager les militaires et leurs familles à prendre l'air, faire de l'activité physique et améliorer leur vie. Visitez le site connexionfac.ca pour obtenir plus de renseignements sur les activités organisées dans votre communauté. Bonne semaine nationale de la fonction publique, Richard. Merci, Vanessa. Vous savez, c'est le moment idéal de nous réunir pour célébrer les employés civils de l'équipe de la Défense. Des dizaines d'activités se tiendront dans les bases, les escadres et les bureaux d'un bout à l'autre du Canada, notamment un repas barbecue qui aura lieu le 10 juin dans la région de la capitale nationale. On encourage les employés du MDM d'un océan à l'autre à participer aux activités et à publier des photos de leurs célébrations dans les médias sociaux à l'aide du mot-clic ci-dessous. Consultez les liens connexes pour obtenir plus d'informations.